Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième live Facebook en direct de la maternité Jeanne de Flandre. En raison du contexte sanitaire, nous ne pouvons plus vous accueillir à la maternité. Du coup, nous avons organisé ces petits lives pour essayer de répondre à vos questions. La semaine dernière, ma collègue Charlotte a abordé les rythmes du bébé. Ce matin, nous avons décidé d'aborder avec vous le pot à pot et le portage. Donc, je suis Annabelle, je suis infirmière puéricultrice en maternité. N'hésitez pas à poser vos questions, à faire vos petits commentaires en live et j'essaierai d'y répondre. Alors Annabelle, c'est quoi le pot à pot ? Alors le pot à pot, c'est vraiment un temps magique, un temps de bonheur partagé entre les parents et le bébé. C'est vraiment l'axe à temps d'être bébé quand il naît. En fait, c'est un moment vraiment apaisant pour votre bébé. Il faut savoir que votre bébé, quand il vient au monde, on appelle ça un grand bouleversement sensoriel. Votre bébé, quand il était dans le ventre, en fait, il était lové, niché dans l'utérus. Il était bercé par les mouvements respiratoires. Il était bercé par les bruits dans l'organisme de maman, le bruit du cœur, le bruit des intestins, le bruit du flux des artères utérines. Il entendait la voix de papa et maman. Et il était vraiment dans un petit cocon, vraiment lové, niché et rassuré. Et du coup, en fait, quand il arrive, quand il vient de naître, ce bébé, on parle d'un grand déménagement puisqu'il perd ses repères. Donc vraiment, le pot à pot, pour lui, c'est le moyen d'atterrir en douceur, de retrouver ses repères et de s'apaiser. Donc, juste après la naissance, on va vous proposer de mettre votre bébé tout de suite, s'il va bien, si vous allez bien, de le mettre tout de suite en pot à pot. Et comment ça marche? Comment ça se passe, le pot à pot? Comment on fait? Donc, le pot à pot, il faut du coup installer son petit doulou verticalement. On dit à hauteur de bisou, si le parent se baisse, vraiment le petit crâne de bébé juste là. La tête bien dégagée sur le côté, avec vraiment le nez dégagé. Les mains au niveau de la bouche pour bébé. Et puis, en fait, donc il est tout nu, juste avec sa petite couche. Et on lui met aussi un petit bonnet. Donc, souvent, en salle de naissance, on vous propose de faire du pot à pot en enfilant un petit jersey qui va venir en fait maintenir le bébé et le laisser en toute sécurité. Voilà. On a une petite question de Colline. Y a-t-il un pot à pot avec la maman malgré une césarienne ? Oui, tout à fait. La césarienne n'est pas du tout une contre-indication au pot à pot. Bien évidemment, si maman et bébé vont bien, c'est vraiment un temps essentiel. Donc, on ne voudrait pas priver les mamans, même qui subissent une césarienne. Ça a été prouvé que les mamans sont beaucoup plus sereines, apaisées d'avoir leur bébé en pot à pot. Du coup, elles ont vraiment un meilleur vécu de la césarienne. Et on sait aussi que du coup, elles doivent recevoir moins d'antidouleurs parce qu'elles sécrètent de l'ocytocine, qui est l'hormone du bien-être. Donc vraiment, c'est tout à fait possible. Donc voilà, pot à pot et césarienne sont tout à fait faisables. Une petite question, le papa, il peut être présent en cas de césarienne, justement ? Oui, on fait notre maximum pour que papa soit présent, parce que c'est vraiment un moment magique. C'est important qu'il soit là, déjà pour apaiser la maman, et puis pour vivre cette grande aventure. Et en plus, c'est super si le papa est là, comme ça il peut assurer le pot à pot, si jamais la continuité du pot à pot doit être interrompue sur maman. Il prend le relais jusqu'à temps que maman arrive en salle de réveil. On a une question de Chloé, le pot à pot avec des jumeaux, c'est possible ? Oui, c'est tout à fait possible, hein. On le fait régulièrement ici à la maternité, ça demande un petit peu d'aide pour l'installation. On vous accompagne surtout dans vos premiers gestes, parce que c'est vrai que c'est un petit peu la découverte, ça peut être un petit peu stressant, mais c'est tout à fait faisable et c'est vivement encouragé, parce que les bébés aussi, ça leur permet de se retrouver comme dans le ventre, de se toucher, de se sentir, donc ça les apaise énormément. Alors, en plus du côté apaisant, c'est quoi les bénéfices du pot à pot pour le bébé ? Alors, ils sont nombreux, hein. C'est vrai que comme le bébé est apaisé, on sait qu'il régule mieux sa respiration et son rythme cardiaque, donc c'est un bébé qui respire mieux. Ça a aussi un côté antalgique, hein, pour les bébés, s'ils sont nés avec une extraction, ils sont un petit peu sensibles. Si par exemple on doit faire un petit geste un peu invasif comme un dextro, la surveillance de la glycémie, on sait que le bébé est dans les meilleures conditions pour être apaisé. Ça permet aussi de le réchauffer, ça c'est super parce que les bébés ont vraiment du mal dans les premiers jours à réguler leur température parce qu'ils n'ont pas beaucoup de réserves graisseuses. Donc du coup, le fait d'être mis sur l'un de leurs parents, ils vont être réchauffés sans consommer trop d'énergie. Et du coup, comme ils consomment moins d'énergie, ils risquent moins de faire des hypoglycémies.
et aussi ils risquent de perdre moins de poids dans les jours qui suivent la naissance. Donc ça permet aussi de mettre en route l'alimentation parce que le bébé voilà, est détendu, il commence à sentir un petit peu, voilà, si c'est l'occasion de faire une première tétée notamment, même si la maman ne souhaite pas allaiter par la suite, on propose, si elle le souhaite, de réaliser une première tétée en pot à pot en salle de naissance. On a une question de Anne. Le pot à pot, est-ce qu'il doit être pratiqué régulièrement à la maison quand on revient chez soi? Oui. Alors le pot à pot, on l'encourage vraiment à volonté. C'est sans restriction, c'est que des bénéfices et que du bonheur pour papa, maman et bébé. Donc ça, c'est vraiment quand vous voulez. Donc dans un premier temps, on le préconise vraiment dès la salle de naissance, dès que bébé naît, s'il va bien, que maman va bien. Il passe minimum une heure, mais il est fréquent qu'on le laisse au moins les 2 heures que maman passera en salle de naissance. Ensuite, en maternité, nous, on l'encourage aussi vivement, notamment après un bain, après l'examen du pédiatre, le bébé s'est un petit peu refroidi. On l'encourage aussi, si par exemple le bébé a du mal à se mettre en route au niveau de l'alimentation, ça peut l'aider en fait à digérer, parce qu'il y a des petits mouvements respiratoires de papa ou maman qui vont masser ses intestins et vont l'aider à digérer. Et puis aussi, si le bébé a un petit peu de mal à se mettre en route au niveau de l'alimentation, on sait que du coup, on l'économise et du coup, il perd moins de calories. Et puis voilà, ça est propice à migrer vers le sein si c'est un allaitement maternel. Et au retour à la maison, vraiment pareil, à volonté, après le bain et puis surtout dès qu'on en a envie. Parce que vraiment, c'est en dehors de tous les bénéfices que j'ai cités, c'est surtout un moment charnel, un moment de bonheur, un moment intense, magique. Et jusqu'à quel âge on peut faire du pot à pot avec son bébé? Il n'y a pas d'âge. Vraiment, c'est à vous. Souvent, on le fait beaucoup chez les tout-petits, mais c'est encouragé jusqu'à temps que vous en... Le bébé manifeste aussi le fait d'être bien sur ses parents. Donc on a les petits jerseys, nous, qu'on utilise en maternité. On a aussi les petits bandeaux de portage. Du coup, il y a différentes tailles. Hein. Ça, c'est super pour mettre son bébé. Et ce qui permet aussi, par exemple, en maternité, la maman peut faire toute la journée en pot à pot, ou le papa, s'il le souhaite. Et du coup, le fait d'avoir son bébé maintenu dans le jersey, ça permet à la maman de manger en même temps, d'aller... de se laver les dents, d'aller ranger une petite bricole, non, tout en gardant bébé contre elle. Justement, est-ce qu'il Pauline nous demande s'il faut couvrir le bébé lors du pot à pot? Non, l'intérêt du pot à pot, c'est vraiment cet échange de chaleur aussi. Donc du coup, s'il est couvert, c'est pas pareil. Là, on parle plus de portage, on en parlera peut-être un petit peu après. Vraiment, les conditions du pot à pot, c'est que le bébé soit nu contre votre peau. Hein, on met un petit bonnet parce qu'il y a quand même une grosse déperdition de chaleur au niveau de la tête et une petite couche, mais souvent on rajoute quand même une petite couverture en plus au-dessus du jersey, mais vraiment en peau à peau. Justement, ce bandeau de peau à peau, on peut l'utiliser comme écharpe de portage ou c'est différent? C'est différent. Le bandeau, c'est pour circuler un petit peu dans la chambre. On le fait beaucoup aussi dans notre unité kangourou avec nos petits nés prématurément. Donc la maman, vraiment, elle peut un petit peu marcher dans le couloir tout en laissant sa main pour sécuriser tout ça. Mais sinon, c'est vrai qu'on ne va pas aller faire une grande balade avec le bandeau. On préconise plutôt des supports de portage comme l'écharpe de portage ou le sling. Donc là, je vous avais ramené des supports de portage. Hein. C'est vrai que moi, je vous invite vraiment à vous renseigner, à peut-être participer à des ateliers sur le portage avant la naissance et avant d'acheter peut-être le support. Il existe différents types de supports. Ça, c'est le sling, en fait, qui va très facilement venir s'accrocher sur l'épaule. On va passer du coup très rapidement le tissu et en fait ça permet de porter bébé là pour le coup sur des distances un peu plus longues que le bandeau. Voilà, en fait, il y a chaque support de portage a des avantages, des inconvénients. Donc, on ne va pas les détailler aujourd'hui, mais je vous invite vraiment à venir faire un atelier. On a une question de Colline, une suggestion, le pot à pot génère souvent un bébé à bras, c'est vrai ça ou pas? Le pot à pot, c'est vraiment la continuité de la grossesse en fait. Hein. C'est tout ce que bébé a connu, donc ça lui permet d'atterrir un peu plus en douceur dans la vie extra-utérine et de prendre un peu ses marques dans tout cet environnement qui lui est assez inconnu et assez stressant. Hein. Il y a la lumière vive, il connaît la pesanteur alors qu'il était en apesanteur dans le ventre
de maman, vraiment ça l'accompagne. Et souvent on dit que les bébés qui sont plus rassurés, qui ont une base maternelle rassurante, sont justement plus à même de découvrir leur environnement de façon sereine. Donc nous vraiment on encourage à volonté et on est voilà. Je ne suis pas sûre que ça entraîne des bébés plus à bras. Alors, c'est sûr qu'il faut progressivement, après, les bercer un petit peu, je pense. Petite question. Est-ce que mon bébé le voit à la naissance? Parce qu'avec le pot à pot, on est quand même très proche du bébé. Oui, alors bébé nous voit, il ne voit pas aussi bien que nous, hein, c'est moins net sa vision, mais bien évidemment il voit environ à 30 cm si on peut dire. Donc le fait de le prendre justement en peau à peau, c'est vraiment la bonne distance et ça permet vraiment un super échange de regards très très intense. Donc oui, bébé nous voit et il découvre notre visage pendant qu'on le découvre. On a une question de Anne, jusqu'à quel âge utiliser le bandeau peau à peau? Ben c'est plutôt par rapport au poids du bébé. C'est vrai qu'après, il faut voir quel type de bandeau. Il en existe plusieurs dans le commerce. Donc, il faut voir surtout par rapport au poids. Hein. C'est vrai que plus le bébé est lourd, plus il va avoir tendance à peser et à glisser. Donc, ça reste sur un petit gabé, enfin, encore un petit bébé. Après, on passe plus facilement aux écharpes de portage. Les écharpes, c'est super et ça peut se faire chez le tout petit, l'écharpe aussi. C'est vraiment l'intérêt de l'écharpe de portage et du sling, c'est qu'il est adapté au tout petit, contrairement au porte-bébé qui est beaucoup moins réglable, ajustable au petit poids et au petit gabarit. Donc vraiment, on recommande le poids-poids volonté, le portage à volonté, mais dans un support adapté pour respecter toutes les consignes de sécurité, donc écharpe ou sling. Et est-ce qu'on peut faire du pot à pot avec une écharpe de portage? Oui, c'est faisable. Oui, ça remplit les mêmes conditions des critères de sécurité. C'est tout à fait faisable. Justement, l'écharpe de portage, quand l'utiliser, elle sert à quoi? L'écharpe, c'est vraiment le moyen de porter son bébé, de le rassurer et puis du coup aussi d'avoir les mains libres. Hein, c'est-à-dire qu'un bébé, ça nous occupe beaucoup et que du coup à la maison, on manque un peu des fois de temps sans avoir bébé à bras. Donc du coup, ça permet vraiment d'allier le côté rassurant, apaisé. Bébé peut dormir, hein, il peut passer de nombreuses heures aussi en portage. Maman peut du coup s'activer, aller se balader, faire une course sans sortir la grosse poussette. Le cosy qui est lourd. Une fois qu'on maîtrise l'accroche en portage, c'est très rapide et ça vraiment c'est un côté pratique et ça apaise le bébé. Donc, En portage, il n'y a pas de risque de mal positionner le bébé pour qu'il y ait après des douleurs ou des difficultés? C'est important, c'est comme le pot à pot, il y a vraiment des consignes de sécurité. Quand vous portez votre bébé, il faut aussi qu'il soit bien vertical. Hein. On ne le met vraiment jamais en position un petit peu berceuse, ça c'est vraiment très dangereux. Donc toujours bien droit, toujours la tête bien dégagée, les petites mains au niveau de la bouche. On fait vraiment un mouvement de bascule du bassin. Donc là c'est un poupon, c'est un peu moins évident, mais vraiment le dos est arrondi, les genoux sont fléchis et en fait on vient passer le tissu du portage en dessous. Il ne faut pas qu'il y ait d'appui sous les pieds du bébé, sinon votre bébé va avoir tendance à pousser, à se hisser et il ne va pas être confortable et vous non plus. Avec des jumeaux, il faut préférer le portage avec un bébé à la fois ou les deux bébés en même temps? Ben ça, c'est à voir pour les parents. C'est vrai que souvent, on voit plus facilement les parents de jumeaux porter chacun un bébé, mais c'est possible. C'est sûr que ça demande un petit peu d'être guidé dans les premiers gestes, mais c'est possible de porter des jumeaux en même temps. Très bien. Alors, passons un peu sur l'allaitement. Je tiens à allaiter, je suis inquiète qu'il ne t'aide pas à la naissance. Si ça arrive, que faire? Est-ce que le portage et le pot à pot, ça peut aider? Oui, le pot à pot, vraiment, c'est ce qu'on se conseille. Ça permet, je vous disais, de... que le bébé soit paisible, atterrisse doucement. Le bébé va en fait prendre son temps, se mettre en route et le fait d'être en peau à peau, il va être en fait attiré. Votre bébé, il a déjà tous les sens qui sont en éveil. Donc avec le peau à peau, il y a le toucher, il entend votre voix. Et le fait en fait d'être en peau à peau, ça va faciliter le démarrage de l'allaitement parce que votre bébé, je vous disais, il voit bien. Donc il va voir le sein. L'aréole est plus foncée, donc comme il voit bien les contrastes, il va être attiré par cette aréole qui est foncée. Il y a aussi l'odorat parce qu'en fait, il y a une petite odeur sur l'aréole qui ressemble à celle du liquide amniotique. Donc, le bébé est attiré par cette odeur.
Il va aussi migrer, hein, si vous le mettez sur le bas du ventre, naturellement, bébé va se hisser, il va pousser, c'est un réflexe, il va migrer jusqu'en haut pour retrouver aussi le bruit du cœur. Donc ça va lui permettre de se mettre en route. Souvent, il lui faut peut-être une petite heure avant d'arriver à se mettre en route pour le téter. Des fois, au bout de 2 heures, il ne s'est toujours pas mis en route, mais ce n'est pas grave. Dans ce cas-là, vous aurez une super équipe en salle de naissance, sage-femme, auxiliaire, qui vont venir vous guider dans vos premiers gestes pour venir un petit peu stimuler manuellement votre sein. Comme ça, dès que bébé sera prêt, ben, il y aura déjà tout ce qu'il faut comme colostrum. On a une petite question d'Anne qui nous demande vers qui se tourner pour un cours de portage. Alors, il y en a à Gênes de Flandre, on est en train de se former pour vous proposer des ateliers. En raison du contexte sanitaire, malheureusement, ce n'est pas possible en ce moment. Mais il y a beaucoup d'associations de portage et pour l'instant, je vous renvoie vers elles. Mais c'est le projet sur Gênes de Flandre. Morgane nous demande jusqu'à quel âge est-il important de faire du pot à pot avec bébé ? Bah, on y a répondu un petit peu tout à l'heure. Hein. Je pense vraiment il n'y a pas de limite d'âge. C'est vrai que vu que c'est vraiment encouragé chez le tout petit, qui est encore très immature, encore fragile, avec peu de réserves graisseuses, donc du coup le réchauffer, l'apaiser, c'est vraiment préconisé chez les bébés même un peu plus grands qui peuvent avoir un reflux et préférer la position verticale. Il n'y a vraiment pas d'âge. Une question sur l'allaitement encore. Et comment je sais si, puisque l'allaitement est proche aussi du portage et du pot à pot, comment est-ce que je vois les signes pour que bébé est prêt à téter et que je dois le mettre au sein ? Alors bébé va manifester avec ses mains, avec sa langue, des petits signes qui va nous faire comprendre qu'il est prêt. Donc il va voilà, s'enfouir dans le sein, chercher un petit peu et migrer progressivement jusqu'au mamelon pour s'accrocher. Justement, on a l'impression que les bébés ils connaissent bien le chemin pour aller jusqu'au sein. Tu en parlais tout à l'heure. Oui, bah c'est en fait, la nature les a déjà dotés de tous les sens pour qu'en fait, ils trouvent. Si on les laissait tout seuls sur le bas du ventre de maman, je vous disais, ils sont prêts à se hisser, ils s'enfouissent, ils sentent, ils regardent. Tous leurs sens sont en éveil. Et la nature aussi a fait que tous les signaux sont là pour les guider vers le sein. L'odorat, la vue, le toucher. Quand un bébé est malade et fait aussi de la température, le pot à pot, c'est recommandé ? Oui, ça peut, c'est tout à fait recommandé. En fait, souvent, ça permet aussi de, du coup, peut-être baisser la température de bébé. Il y a une régulation entre la température de maman et de bébé. En plus, souvent, ces bébés avec de la fièvre, ils sont un peu perturbés, un peu excitables. Et du coup, ça les apaise, ça les rassure. Donc, c'est pareil, très bénéfique. Anne nous demande si on vaut mieux porter le bébé dans le dos ou sur le devant, enfin, parce qu'il y a aussi des positions. Oui, dans il y a dos. Des positions. Alors, je ne pense pas qu'il y ait de position préférable. C'est surtout ce que les parents, dans la position dans laquelle les parents se sentent le plus à l'aise. C'est possible, en effet, de porter un bébé dans le dos. C'est moins pratiqué, je pense, en France. On a l'habitude de les mettre pour aussi les rassurer, les enlacer, leur parler, les embrasser, mais c'est possible. Des conseils pour acheter l'écharpe de portage ? Moi, je pense que surtout, il faut se renseigner peut-être, et je vous dis, participer peut-être en anténatal à un atelier de portage, quitte à, après, une fois que bébé est là, faire un deuxième atelier. Mais c'est vrai qu'il existe différents supports, des écharpes avec élastane, sans élastane, le sling, en fait, qui est super, le sling, parce qu'il est très facile à mettre. Il s'adapte chez le nouveau-né, ça, c'est super. Mais du coup, c'est un portage asymétrique. Donc, du coup, si vous prévoyez, par exemple, de faire une longue balade avec un bébé plus grand, parce qu'on peut porter bébé hein, jusqu'à un an, 2 ans, il n'y a pas de souci, mais le côté asymétrique peut un petit peu peser sur l'épaule. L'écharpe, elle, est plus répartie au niveau du poids. Mais voilà, il existe beaucoup de types de portage. Donc vraiment, je pense que faire un atelier avant pour faire son choix en connaissance de cause. Justement, au niveau de l'âge, jusqu'à quand porter bébé en écharpe ? Et est-ce qu'il vaut mieux, quand il grandit, après passer sur un porte-bébé ? Un porte-bébé.
Il n'y a pas d'âge, vraiment, je pense que c'est la limite du poids aussi qui va à un moment faire interrompre le portage. Et puis aussi, il faut que bébé en ait encore envie. Hein, c'est vrai que dans un premier temps, on porte les bébés face à soi. Quand bébé grandit, il peut être porté, entre guillemets, face à pas à la route, puisqu'il ne faut pas le faire en voiture. Mais voilà, il peut regarder ce qui se passe, parce qu'à un moment, il commence à devenir curieux, donc il apprécie de voir un peu tout ce qui l'entoure. Mais voilà, il n'y a pas de limite d'âge, mais c'est vrai qu'à un moment, bébé a aussi envie de gambader par lui-même et ça s'arrêtera. Une dernière question sur le fait de quand est-ce qu'on sent que bébé, on a peut-être justement marre de faire du pot à pot, ou quand est-ce qu'il faut arrêter de le porter? Ben, c'est vrai que souvent, on encourage le portage, notamment quand le bébé pleure beaucoup, il est un petit peu agité. Donc, je pense qu'il ne faut pas interrompre trop tôt le portage, parce qu'au début, bébé, il faut le temps qu'il prenne ses marques, il peut être un petit peu agité. Donc, il faut prendre le temps de l'apaiser en portage, de ne pas hésiter à marcher, de lui parler. Souvent, il se détend, il s'endort. Si votre bébé vous montre qu'il est inconfortable, je pense qu'il ne faut pas insister. Réessayer à un autre moment de la journée. Voilà, c'est pas parce qu'une fois ça n'a pas marché que ça ne marchera pas, mais je pense qu'il faut aussi être à l'écoute de son bébé. Parce que peut-être qu'à un moment, il va être aussi un petit peu avoir envie de sortir de l'écharpe et il ne faut pas hésiter. Une conclusion, un dernier mot sur le portage et le pot à pot. Et ben moi, je vous encourage vraiment à pratiquer ce moment magique d'échange. Un moment, je vous disais, charnel, essentiel. Et vraiment, ça crée un lien fort. Et notamment pour les papas qui, des fois, ont un petit peu mal ou ont peur d'avoir du mal à trouver leur place avec le bébé. Vraiment, ça crée un lien fort. Unique et souvent c'est magique de voir à quel point les papas sont heureux, radieux avec leur bébé en portage et les mamans aussi. On peut terminer là. Oui, ben, merci beaucoup de nous avoir suivis et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre live Facebook. On vous enverra le thème. Bonne journée.